Bonjour à tous, dans ma vidéo d'il y a à peu près 3 ans, je vous avais présenté ma vidéo avec Rose. Je vous avais présenté à peu près tous les tours qu'on peut faire depuis Krabi. Et parmi ces tours, je vous avais parlé d'un tour en kayak à Aotalan. J'avais pas testé, et ben aujourd'hui, je teste. Et donc en fait, là on les voit partir parce qu'en fait, on va avoir des gens qui pagayent pour nous. Alors vous pouvez choisir de pagayer par vous-même évidemment, hein. Mais moi pour les photos et les vidéos, ce sera quand même mieux. De choisir quelqu'un qui pagaye pour moi. Évidemment, il faut prendre un gilet de sauvetage. Alors, ils vous fournissent un petit sac waterproof pour vos affaires. Voilà, bon, bah, il n'y a plus qu'à choisir un kayak. Pour arriver au kayak, c'est un peu vaseux. L'avantage aussi d'avoir quelqu'un qui pagaye pour vous, c'est qu'il sait où il faut aller. Bon alors sinon vous me direz, vous le monde guia, il suffit de suivre. Enfin c'est quand même pas mal. Là-bas c'est Hong Island. D'ailleurs moi là quand j'avais fait le tour à Hong Island dans Long Tailboat, j'étais parti de Aotalan, c'est plus près. On est sur le chemin du retour là, donc vous avez plusieurs formules, soit vous pouvez pagayer par vous-même, soit vous pouvez avoir un pagayeur avec éventuellement l'option karaoké comme le mien, ça ce sera à voir. Et vous pouvez faire des tours à la demi-journée ou à la journée, enfin il y a plusieurs formules, il y a même une formule kayak ici plus Korong, il y a pas mal de possibilités. Alors évidemment, le tour varie aussi un petit peu parce que Aotalan, en fait, c'est normalement connu pour ses mangroves. Mais en fonction du niveau de l'eau, vous ne voyez pas forcément, vous ne pouvez pas forcément faire la même chose, aller aux mêmes endroits. Là, le niveau de l'eau est assez bas et donc du coup, vous n'avez pas d'accès aux mangroves. Je précise que le choix musical, c'est pas moi qui choisis, hein. Parce que le groupe Ozone, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas entendu. Et voilà, et c'est marrant parce que l'eau est pas mal montée en fait entre le moment où on est parti et le moment où on revient, et pourtant on a fait un tour de quoi, 2 heures. Et voilà. Vous en avez l'habitude maintenant, vous retrouverez toutes les informations. Pour faire ce tour, visitez Aotalan sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 e à la fin.com. Vous allez dans la rubrique destination, vous choisissez Krabi et puis vous allez regarder Aotalan. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Salut!